Et bonjour à toutes et à tous, c'est à vous aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pokémon Violet. Alors, aujourd'hui, quelque chose d'intéressant, on va tout simplement aller dans la zone de la carrière et on va pas faire grand chose. On va chill, c'était cool le dernier épisode. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu fatigué, voilà, comme d'habitude. On a dit qu'on essaierait de trouver un Pokéstop, donc on va se promener, voilà. On va essayer de trouver un nouvel endroit, maybe. Venez, on essaie de faire... Pas possible, ça. Ouais, vas-y, impossible. On pense que c'est impossible, donc... Il pleut, est-ce que ça va? Oh, j'ai envie de bailler, regarde. Oh, ça fait trop du bien. Alors, premier combat, c'est parti. Non, on enlève la gamme parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, donc ça peut être une miniature déjà. Loïc, l'étudiant! C'est Loïc! C'est moi! Voilà, on a fait la miniature, on va rester tous ensemble tout le temps. Attendez, j'essaie de le replacer. Voilà. Ok, c'est parti. Qu'on a dit demi-tour, comme ça on prend jamais de dégâts. Mais on va perdre du temps pour rien. Hein. Bah. Attendez, on va... J'essaie de vous montrer le combat. Bon, on n'arrivera pas à avoir Loïc, c'est regrettable. Non, c'est bon. Tranquille. Encore un fragroin. Mais Loïc, on sait que t'aimes bien la charcuterie, mais quand même. C'était un mâle et une femelle, hein, je crois. Attendez, un mâle et une femelle, oui, c'est... Il y a plein de gyro vent là. Bah propre. Et regardez, il y a quoi là derrière? Vous voyez pas vous? Quoi? C'est un fer de terre? Incroyable. Attendez, on va... Alors, dodo à là, déplacer, bam, 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 bam. Ok, faire des terres. Faire deux terres. On va lui mettre du coup une petite attaque. Oh, roulade, hein. Alors, on envoie derrière notre Pokéballs. Et déjà un nouveau Pokémon dans la musette, ça fait plaisir. Et oh, 5 minutes de vidéo, c'est abusé. Ça passe vite le temps, hein. Passe très vite le temps. Mais en tout cas, un premier Pokémon réel que nous capturons. Et oh, allez, level up. Ouais, du coup, un type acier qui peut être assez intéressant, hein, parce qu'on a vu qu'il avait un type. On aurait dû le mettre dans la... Oh non, mais attendez, mais il est éclaté comme Pokémon, je vais pas mettre ça quoi. Après, en vrai, si. En vrai, moi je vous dis que si. Pourquoi? Ah ouais, putain, je suis déjà à la dernière. Je vais devoir libérer des Pokémon dans le futur. Parce que regardez, je peux le mettre là. Hein. Tac. Voilà, lui, il faut juste revenir, là. Tac. Résumé, déplacer, c'est quoi que je voulais faire? Résumé? J'aimerais regarder ses attaques, en fait. Bah, regardez. Il a pas plus de pierres. Bon, pour l'instant, il a rien, donc... Oh. Puissance. Voilà. Littéralement, il a de l'armure et ça, ça fait plaisir. Totalement. Voilà. On est bien, il faut juste hop, recalibrer ça. Ça, on va quand même le déplacer avec Miascarad. Et ça, on va déplacer comme ça, au cas où il y a des gros Pokémon... Parce qu'on va sans nul doute pas pouvoir les battre. Putain, il dort. Je savais pas que ce genre de Pokémon... Ok, donc là, il y a un fer de terre. Ah, ben, oui, fer de terre. Lui, il a pas peur, il va pas dans le sol. Merde. Oh, le con. Allez, venez, on fait une ellipse. Parce qu'elle a un peu la flemme, quand même, de refaire le combat. Voilà, re. Re tout le monde. Donc, on est bon. Le combat a été fait. Alors...
Alors c'est pareil, attendez, Pikachu, on avait dit qu'il fallait qu'il parte, hein, en fait, hein. On va vraiment mettre Pomote, là, hein. Pomme ou Pomote, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vas-y, on va le trouver. Ah non, d'accord, il me reste de la place, putain, j'ai eu peur. Oui, il me reste de la place. Pomote, comment on va pouvoir le trouver? Je sais même pas à quoi il ressemble. Ah, la luck. Au revoir, Pikachu. Bon, à niveau 42, on perd, mais vas-y, c'est pas grave. Après, faut juste... lui, pour le level up, j'avais déjà vu. C'est quoi ZR? C'est ça? Et là, il nous suit, en fait. Et ça, c'est mignon. Faut juste qu'on avance et qu'il level up. Bon, si, il va level up assez facilement, vous voyez. Attends, il y avait quoi, là? On l'a vu, hein. Il y avait pas quelque chose, là? Oh, roche chaude, incroyable! Incroyable. Alors, où est le Pokéstop? On sait pas trop, alors il doit être vers la gauche, hein. Il doit être vachement loin, quand même, mine de rien. Allez, viens, Pomote. Faut qu'on avance aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il arrive à me suivre, en fait? Il a un peu de mal, hein, le Coigneux, là. Hein. Allez! Le Pokémon qui est caché ici, c'est incroyable. Hein. Il n'y a pas de Pokémon! Ah, j'étais le soleil! Je suis trop nul, putain. Ah bien, il récupère ce qu'il y a autour de nous. Ah, ça, c'est vraiment bien, par contre. Donc, on va pas trop vite, comme ça, on est sûr de... C'est quoi, ça? Brombie, on en a déjà un. C'est sympa, sympa qu'il en ait ici. Il va nous attaquer lui par contre. Il y a l'air qu'il va nous attaquer. Alors, où pourrait être le Pokéstop? En tout cas, il y a une tour, donc ça m'intéresse. On va. Ah merde, hop. Alors, comment on fait? Merde, non, on ouvre la carte. Là voilà. Ça c'est cool. Allez, faut que tu viennes là, faut que tu récupères la super potion. Oh pierre! Oh là 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 là, les pierres qui s'enchaînent, ça fait plaisir. Ça, je suis pas sûr qu'on l'ait. Si c'est un Drabi, c'est ça. Alors, on l'a, ok. On va récupérer la Pokéball du coup. Super Ball. Pas Pokéball. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un Charbi, je savais pas que ça roulait un Charbi. Donc là, il y a encore un Vrombi, là, il y a un Caninos. Là, du Naja. Alors, c'est là où nous sommes passés la dernière fois, hein, si vous vous en rappelez, pour faire le... Comment ça s'appelle? Le... Oh, Rochelys. Pour faire le dominant, voilà, je cherchais le mot. Et donc, en fait, oui, plus loin... plus loin, il y a quand même quelque chose d'intéressant, hein, donc on l'a dit. C'est quoi? Une tour, voilà, et bah du coup le Pokéstop qui doit être là-dedans, hein. J'ai pas encore regardé par rapport à la carte, mais regardez, on voit hyper loin. Ah ouais, mais c'est intéressant ici, hein. Attendez, c'est intéressant les falaises, moi j'aime bien. En tout cas, on continue d'avancer et bon, je vais pas vous faire d'ellipse pour aller jusqu'à la tour. En tout cas, alors pourquoi je marche avec Pomote, hein, vous allez me dire. En fait, il va level up. Et il aura fallu marcher avec lui, en fait. Donc du coup, bah, j'anticipe déjà son level up. Je pourrais éventuellement lui donner un bonbon, un super bonbon, voilà, juste pour qu'il level up, en fait. Et ça va me permettre justement de de l'avoir directement en évolution finale. Alors je sais pas, on va remettre la cam, regarde. Alors, je sais plus c'est quoi l'évolution finale, le pomade, je sais pas, de la merde, pomade quand même. On va le laisser aussi récupérer parce que ça lui donne mine de rien un peu d'XP. Je sais pas, il en a où. Pas sûr que ça lui donne de l'XP en fait, hein. Vraiment, vraiment pas sûr. Alors la tour est là, hein, ça fait plaisir. Topiqueur, donc tout ça on a, non. Oui, hein, si y a un nouveau Pokémon, vous inquiétez pas. Cabriolène, ça fait longtemps qu'on en a pas vu. Est-ce que Cabriolène c'est l'évolution? Donc ça s'appelle autre chose. Non, ça c'est Cabriolène. Ah là il y a un Pokémon qui va être intéressant. Là-bas, alors je sais pas c'est quoi, hein, mais. C'est des Pokémon qui sont terra-cristallisés naturellement, en fait. Je sais pas si vous en rappelez, mais on l'avait fait avec un Melofé en début de Let's Play. Et bon, voilà. Ouais, j'ai atteint ma destination, merci. Alors bon, je pense que j'ai assez marché avec Linus. Ce qu'on veut, du coup, c'est grimper. On va boire un petit coup d'eau. Et on va surtout aussi faire le petit combat face à... Je sais plus comment il s'appelle.
face au coffre de pièces là. Oh, bien. Merde. Bon, Ellipse, je bois un coup. C'est chiant les bouteilles là. Et à tout le monde. Bon, voilà, tempête de sable, c'est ce que nous avons eu. Là, on va en profiter. Oh, on a trouvé le Pokéstop. Ok, on a trouvé le Pokéstop. Il va falloir passer par ce chemin avec des camions. Il y a des camions un peu partout. Bon, en même temps, c'est une mine, hein, donc ça reste assez logique, mine de rien. Et on va pouvoir grimper tout en haut, hein, peut-être. Hein. Oui, totalement. Alors, pourquoi on va dans ce genre de tour aussi, vous allez me demander? Bah, c'est ça, parce que juste pour avoir la téléportation. Voilà. Il va y avoir un Pokémon autre que le coffre, là, c'est pas possible. D'accord. Ah, il y a un Pokéstop avec... Oh, vous entendez le vent? Avec aussi... Je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, Miascarat va s'en occuper. Ça a l'air d'être un gros coffre, ça. Merde. Je suis con, moi. Faut l'ouvrir, le coffre. D'accord. Ciao, ciao. La Team Star est là-bas, du coup, hein, si vous le voyez, là. Ah oui, bon, là-bas pour vous. Du coup, la Team Star est là-bas. Alors, on va descendre. Et on va se faire 2-3 combats, ici. Alors, c'est une nouvelle zone, hein, carrément. Zone avec des camions. Des vrombis. Assez rigolo. Donc là, on prend, cette fois-ci, le... Ça, et on va juste se faire 2-3 combats histoire de level up notre Pokémon en fait. De level up pas vers de terre, fer de terre. Et surtout le Pomote. On prend tout ce qui est efficace. Mama, j'aime pas quand ça fait ça. Alors vous inquiétez pas, je peux me régénérer gratuitement avec Mascara, donc y a pas trop de soucis, mais ça va perdre un peu de temps en fait. Le Grelocoque qui fasse son efficacité, voilà, on perd 3 petites secondes de récupération. Donc moi je vous propose de toute façon, ça va être de faire une ellipse. On a dit qu'on fera un épisode court, donc voilà, tous les premiers je le fais. Médiateur 45. C'est incroyable. On level up Pomote. On se retrouve pour terminer du coup l'épisode à peu près en allant vers là-bas. Et du coup le Pokéstop de cette zone. Et niveau 20 pour Pomote. Alors est-ce qu'il évolue? Bah, toujours pas, du coup je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Vas-y, viens, faut que tu fasses des pas avec moi, donc vas-y, on continue de marcher, mon copain. Viens, viens, viens. Alors bon, voilà, il y a des zones ici qui sont assez intéressantes. Alors, il me suit, hein, c'est bon. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé forcément de nouveaux Pokémon, hein. Pas grand-chose ici. Bon, bien, on peut la récupérer sur la poubelle. C'est incroyable, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout, pas du tout. Ah, il y a de l'argent. Intéressant, intéressant. Lui ou Pomote? Pomote? Pomote! Monsieur Frodo! Je sais pas si vous avez la ref. C'est quand Sam, il sort de la comté dans le Seigneur des Anneaux. Mais vas-y. Monsieur Gandalf m'a dit de vous suivre. Donc, je ne voulais pas vous perdre. Je sais plus ce que... Je sais plus quoi qu'il dit, mais t'inquiète. Vous avez la ref, vous avez la ref. Sinon, regardez le Seigneur des Anneaux. On n'ouvrirait pas la carte. Je sais qu'il y a un Pokémon un peu bleu là. Ouais, ouais, bah exactement ça, Tenefix là. C'est 4 Pokémon qu'on a pas. Je les veux, moi. Ah bah oui, c'est vrai qu'il récupère pour moi le pom-pom-pom-pomote. Bon, un Miaou, c'est bien. Un Stupéfix. Non, c'est pas ça. Tenebrix, oh, je sais plus ce que j'ai dit. Hein. Allez, Pomote. Il y en a un là! Mais là, il y a un problème, c'est que... Vas-y, vous savez quoi? On s'en fout de le faire évoluer. On le fera évoluer un de ces quatre. Donc lui, il a un problème. Alors, soigner. Il faut un truc pour qu'il a plus de... C'est pas racine énergie. Antidote. De la paralysie. Voilà. Parce que c'était chiant. C'était grave chiant. Alors... Bah si, en fait, il nous faut totalement Pomote. Attendez, attendez. Vas-y, 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 vas-y. Allez, allez. Je sais pas si c'est par surprise. Allez, on enlève la cam pour cette fin d'épisode, en tout cas. En fait, là, notre truc. Oh, là, niveau 20. Donc, on met un truc super efficace. Va dans le sol. Ouh. Qu'est-ce qu'il fait l'attaque? Et derrière, moi, je le capture. Hein. Voilà, la boum, tunnel. Oh merde. Oh.
Ok. Ok. Ah merde, je peux pas faire mieux que ça. Après c'est bien parce que je peux un peu esquiver, t'as vu? C'est bien, Pomote. Eh ben on est pas prêt de le capturer, c'est moi qui vous le dis. Let's go. Bon, ma Pomote va pas gagner d'expérience sur ce combat. Après oui, c'est un Pokémon feu. Oui, nanani, nanana. Vas-y, c'est chiant, c'est chiant. Mais on le fera pas évoluer aujourd'hui, c'est pas grave, tranquille. Allez, vas-y, ouais, vas-y, va part. Ouais, merci. Merci le Pokédex. Du coup, on va pas soigner Pomote, vas-y, on s'en fout. On fera ça un de ces quatre, on fera ça un de ces quatre. Donc, nous, on veut voir un peu là, les Ténébrix, les... Quoi d'autre? Il y avait les Ariyama. Il y avait une merde que je connaissais pas, sûrement de la 9G. Parce que moi, j'en ai quand même vu pas mal hein, avec Pokémon Go, hein, mine de rien. J'en connais les Pokémon, j'en connais rien. Alors. Oh, on va mettre un petit rappel sur Pomote quand même, juste pour qu'il puisse marcher. On en a combien des rappels? 32, on les utilise jamais, donc voilà. Pokémon PKO, tac tac tac, vas-y joue avec moi, viens on court. Là il y a une Pokéball en or, c'est une obligation. Là faut capturer ça Pomote. Allez, bien, une roche humide, c'est la deuxième que nous avons ça. Et un os rare. Pomote. What? Ah non je lui ai parlé. Oh j'ai trop cru qu'il allait évoluer. C'est quoi ce jeu là? Bon, on trouve pas de Pokémon, bah c'est pas grave, hein, de toute façon. Quand ça veut pas, j'ai envie de dire. Hein, Voilà, celle-là. Et ben on y arrive petit à petit. Voilà, on y est. Est-ce que le Pokémon en question est ici? Non! Est-ce qu'on finit l'épisode? Oui! Allez, viens, Pomote! Viens, mon petit, on va aller terminer notre épisode ici. Faut que j'avance doucement pour lui parce que. Vas-y, c'est une chèvre, hein. Waouh. Je regarde les grottes aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grottes, donc bah, il faut bah, il va falloir visiter tout ça quand même, hein. Bon, je le ferai en off, hein. De toute façon, vous inquiétez pas. Je trouve qu'il a une grande queue, lui. Une grande trompe. Assez bizarre. C'est bien, Pomote, il me suit bien, là. Mais faut marcher lentement, c'est un peu chiant, quoi. Ah, là, c'est les Pokéstop. Ok, ceux-là, je les connais. C'est un Pokéstop en fait, bah je vous avais dit que j'avais été dans la ville là-bas en trichant, hein, non. Wesh. En faisant un use bug, c'est mon chat? Mon chat il dort, donc non ça peut pas être mon chat. Vas-y hein, c'est la tempête de neige, hein, vous connaissez. Non bah tant pis, tant pis. Je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus ce que je disais, mais tant pis. Ah si, j'avais utilisé un use bug pour aller là-bas, voilà. Du coup, je connais cette ville, mais je connaissais pas cet endroit. Enfin, je m'étais pas spoil forcément pour... connaissez quoi, connaissez les bails. Et il y a de l'argent là. Papa 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 papa. Et bon, on va finir notre épisode du coup. Bon là, j'avais dit un épisode 30. C'est quoi l'éléphant rouge? Épisode tranquille. On va soigner bien sûr nos Pokémon, voilà. Je voudrais soigner mes Pokémon. Merci. Du coup, notre but, c'est de marcher avec Pomote. Donc, vas-y, au prochain épisode, vu qu'on découvre une nouvelle ville pour aller au dominant, vu qu'on va aller à gauche, voilà, on se retrouvera à les Valen... Non, on se retrouvera à Mesaleda. Mesaleda? Seul le nom de la ville? Attendez, Mesaleda? Hop. Mesaleda. Et en fait, notre but, ce sera d'aller là-bas et de découvrir la zone est... ouest, pardon. Et la zone sud pour accéder aux deux dominants. Voilà, je l'avais dit, mais on le fera. Et en off, du coup, je vais me refaire du coup tous les comment ça s'appelle, tous les toutes les orbes de cristal. Bah, vous avez vu, on a entendu des trucs bizarres quand même. J'en ai aucune idée de ce que c'est, mais vas-y, c'est pas grave. Voilà, potion, tout ça, on est bien. Voilà, bah, je vais vous laisser, moi, c'est tout, hein. Je vous fais mille bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux. C'est important quand même. Et puis voilà. Je vous fais mille bisous. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, une seule dernière chose à vous dire. De toute façon, c'était The Bullier. Et à la prochaine. Ciao, ciao.